Je voudrais, mesdames, messieurs, vous proposer maintenant d'accueillir pour son allocution dans le cadre de cette cérémonie d'ouverture, Son Excellence le Premier ministre de la République de Guinée, Monsieur Amadou Ouriba. Bienvenue, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président de la République de Comores, Madame la Première ministre de la République démocratique du Congo, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de Amadeus, les autorités locales, le Wali, le gouverneur et le Président du Conseil régional, nos sincères salutations dans cette ville de Tanger, la plus au nord, mais appartenant au sud. Messieurs et Madame, distingués invités, au nom du Président de la République de Guinée, le Général d'armée Mamadi Doumbouya, c'est un plaisir pour moi de délivrer ce message à l'occasion de l'ouverture de la 16e édition de Mid Days de Tanger. C'est également une occasion de rappeler les liens séculaires qui existent entre la République de Guinée et le Royaume du Maroc depuis les premières années de l'indépendance, où les deux pays ont ensemble contribué à tracer les sillons de l'indépendance de la plupart des États africains. C'est l'occasion également de saluer Son Excellence le roi Mohamed VI, et que Dieu l'assiste, et toutes les autorités chérifiennes dans la coopération exemplaire que ce pays du Sud a à l'égard d'un pays du Sud qu'est la République de Guinée. Je salue également l'Institut Amadeus pour avoir une fois de plus créé cet espace d'échange et de réflexion qu'est le Forum MEDEIS. C'est avec un grand honneur que je participe à cette 16e édition qui, depuis sa création, s'impose comme une tribune stratégique incontournable pour porter les aspirations et les positions des nations du Sud. La thématique de cette année, souveraineté et résilience, je crois que le thème n'est pas choisi au hasard dans ce contexte où la paix est devenue une quête pour beaucoup de peuples à travers le monde, que ce soit au niveau du continent africain, que ce soit à l'échelle mondiale, des remises en cause s'imposent par-ci, par-là, parfois avec violence, remettant en cause les leçons et la structuration du monde après la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est une question pertinente de se poser la question, la souveraineté, la résilience, pour quel nouvel équilibre mondial ? Parce que sans équilibre, il va de soi que la violence, la guerre risquent d'anéantir les efforts de la plupart des pays du Sud qui aspirent vers plus de progrès et vers plus de reconnaissance par rapport à leurs intérêts et surtout aux aspirations de leur peuple. La thématique, en ce qui nous concerne, nous l'avons intégrée en se disant que dans ce contexte, qu'est-ce que nous devons faire en mettant en avant l'intérêt de notre pays? Nous optons pour une coopération ouverte avec tous les pays du monde en mettant en avant l'indispensable nécessité de privilégier nos intérêts nationaux. C'est la raison pour laquelle nous sommes pour une revisite de cette notion que nous appelons un non-alignement. Non-alignement, non pas passif, mais un non-alignement actif dans la mesure où les pays du Sud, qui ont les mêmes intérêts, les mêmes problématiques, doivent développer des approches de résilience, de solidarité et de coopération pour contribuer à asseoir un climat de paix à l'échelle du monde. À ce sujet, notre stratégie dans nos efforts de refondation
surtout la transformation économique de la Guinée, c'est surtout de faire en sorte que dans notre coopération, nous cherchons à privilégier un partenariat avec beaucoup d'États, beaucoup de puissances, pour bâtir et co-construire ensemble un projet. C'est le cas du Simandou, qui est l'un des projets miniers les plus importants à l'heure actuelle au monde. 670 km de voies ferrées à construire, un port minéralier à construire également, pour près de 20 milliards de dollars. Pour la stabilisation de notre territoire, pour la finalisation de ce projet, nous avons estimé qu'il faut mettre tout le monde ensemble. Les Chinois, les Américains, les Français, en d'autres termes, toutes les puissances intéressées à l'exploitation de ce minerai de fer. Une co-participation pour une co-construction, malgré leurs divergences et leurs rivalités qu'ils expriment par ailleurs, la Guinée est en train de réussir, de ce point de vue, un modèle unique qui permettra, j'en suis sûr, d'être une référence dans les années à venir pour beaucoup de pays qui aspirent à l'exploitation de leurs richesses, mais dans la paix, dans la sécurité et dans la stabilité. Quel est notre rôle en tant que nation du Sud dans le nouvel équilibre mondial? Dans les années 90, beaucoup de pays regardaient vers l'Est après la chute du mur de Berlin. Aujourd'hui, il s'avère qu'il faut repenser la dynamique pour prendre en compte les nouvelles réalités. Le Sud, dans lequel nous appartenons, a les ressources, à la main-d'œuvre, à un potentiel qui est en jachère pour la plupart des pays qui appartiennent à ce Sud. Mais pour leur exploitation de manière rationnelle et efficiente, il y a nécessairement à développer des partenariats stratégiques pour permettre de créer un nouvel équilibre. Les puissances régionales qui sont à côté du continent africain, chacune, en fonction de ses intérêts, doit y penser pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut regarder toujours par le rétroviseur en considérant le continent africain comme un continent périphérique au lieu de le voir comme un continent central pour les décennies à venir? C'est par ce biais-là que nous pourrons construire une nouvelle relation et un nouvel équilibre mondial qui intégrera l'ensemble des sociétés humaines, quels que soient les continents. C'est la raison pour laquelle la Guinée a sollicité d'abriter l'Institut Sud-Sud pour apporter sa part de réflexion et sa contribution par ce changement de paradigme que MEDEIS est en train de faire prospérer ici à Tanger. Nous devons transformer nos vulnérabilités en opportunités. Et c'est le contexte qui nous l'impose. La Guinée, à ce sujet, la question du Simandou, je l'ai déjà évoqué, qui est une transformation économique, mais aussi la question climatique. Nous sommes dans un contexte où la région ouest-africaine est perturbée par des bouleversements de différentes natures. Mais la raison principale de ces bouleversements, c'est la question du changement climatique. Le désert progresse, l'eau se fait rare, les pâturages disparaissent. Des sociétés humaines, de par leur tradition économique, que ce soit les éleveurs, sont en train de voir leur raison d'être, la raison de leur identité disparaît. Et donc, la question de l'eau est une question centrale. La Guinée, qui abrite le massif du Fouta Jallon, où tous les fleuves de l'Afrique de l'Ouest prennent leur source, est, de ce point de vue, un pays où la survie de cet espace géographique nécessite la protection de ce massif, parce que ce massif est la source du
du Niger, du Sénégal, de la Gambie, etc., etc. C'est la raison pour laquelle nous avons sollicité l'inscription du massif du Fouta Jallon comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous ne le faisons pas seulement pour nous-mêmes, nous le faisons pour les 15 États de l'Ouest africain, y compris le Tchad et le Cameroun, qui sont concernés par le bassin de ce massif qui joue un grand rôle du même type que le bassin du Congo. Donc, mesdames et messieurs, nous sollicitons votre solidarité pour que le massif puisse bénéficier de cette inscription parce que cela pourra contribuer à la stabilisation de cette zone et aussi à la création d'un nouvel espoir pour des populations qui se sentent profondément désarticulées. Les souverainetés économiques pour une résilience durable nécessitent une industrialisation inclusive. Nous ne voulons plus de l'économie de rente avec des enclaves minières et nous saluons la manière dont le Maroc a su concilier l'exploitation des phosphates avec une nécessité absolue de créer une économie diversifiée qui fait du Maroc un exemple que nous allons examiner avec grand intérêt pour voir ce que nous aussi nous pourrons prendre comme expérience. Des politiques économiques audacieuses pour valoriser les compétences locales et renforcer l'autonomie alimentaire et énergétique. C'est vrai, qu'est-ce que nous cherchons ? À réduire la pauvreté, à la combattre, à permettre aux hommes et des femmes de vivre. Le Maroc aussi est en proie avec une migration clandestine, des milliers et des milliers de nos jeunes qui aspirent à traverser la Méditerranée. C'est un poids très lourd, nous vous en sommes gré, mais nous devons, en interne, pays par pays et de manière globale, penser à avoir des réponses structurantes pour retenir nos jeunes, leur redonner de l'espoir, et ceci nécessite une transformation économique avec des politiques audacieuses qui nous permettront de répondre à l'attention et à l'attente de nos populations. Gestion responsable des ressources naturelles, c'est évident. Sans cela, nous ne pourrons pas exister. Nous devons le faire parce que c'est notre mission, c'est notre rôle. Les mines, l'agriculture, le tourisme, tout cela, c'est très bien. Mais développer le capital humain est en soi la chose la plus fondamentale pour permettre à beaucoup de nos compatriotes du continent qui marchent sur de l'or et qui regardent le ciel et en demandant à Dieu, donnez-nous à manger. Et ça, il faut qu'on renverse. Il faut qu'on renverse les paradigmes pour qu'on sache que si on veut, on peut. Et on peut parce que nous le voulons. Une gouvernance éclairée comme vecteur de résilience et de stabilité. D'autres nations nous ont montré la voie. Les pays de l'Asie du Sud-Est, la Chine, il y a moins de 40 ans, le niveau de la ressource par habitant d'un Chinois était similaire à ce que nous avons dans notre zone. Mais aujourd'hui, si on regarde bien les choses, c'est nettement incomparable. Qu'est-ce qui a changé? C'est la volonté politique, la détermination et une fixation et une détermination vers l'atteinte des objectifs. Nous aussi, nous le pouvons. Et avec la nécessité, dans ce contexte où tout vacille autour de nous, de rassembler des hommes et des femmes pour réfléchir, pour voir ensemble qu'est-ce qu'il faut pour le jour d'après, nous vous en remercions. Mesdames et messieurs, le Forum MEDEIS est plus qu'un rendez-vous annuel. C'est une plateforme essentielle pour porter les aspirations des nations du Sud et redéfinir les relations Nord-Sud dans un monde en mutation. La Guinée est fière d'apporter sa contribution à cette vision partagée d'un nouvel équilibre mondial fondé sur les valeurs de souveraineté, de résilience, mais aussi de solidarité. Je suis convaincu que les travaux
de cette 16e édition seront porteurs de propositions concrètes et de solutions durables pour relever les défis communs qui se posent à nous. Pour terminer, je dois dire les grandes choses qui se sont passées en Afrique de l'Ouest ont pris leur naissance dans ce pays qu'on appelle la République de Guinée d'aujourd'hui. Nous sommes dans la trajectoire de refaire ce que des siècles auparavant nos ancêtres ont fait. Nous sommes aussi le pays qui, en Afrique de l'Ouest, a montré la voie de l'indépendance en 1958. Nous sommes aujourd'hui encore un pays qui aspire à montrer qu'il n'y a pas la fatalité de l'échec. Il y a des opportunités, mais pour cela, acceptons de nous remettre en cause et de regarder en avant. C'est un grand plaisir, au nom du général d'armée Mamadi Doumbouya, que je m'adresse à cette auguste assemblée. Merci beaucoup. Merci, Excellence. Merci pour votre intervention. Merci, Excellence. Et merci de partager aussi la plaidoirie de ce qu'est la Guinée et l'intérêt aussi de nous rendre compte de la contribution de nos différents pays aux ressources naturelles et à un meilleur climat pour nos populations.